Bon, tu te fiches de moi, oui. Parce que j'ai, je crois. Alors. Ou alors je m'en souviens vraiment pas, mais je me souviens de ton doc. Et je me souviens surtout de ton gunner. Je t'ai affronté en braquette avec. Bah, le gunner, il est mémorable en même temps. J'ai dû t'éclater. Ouais, je sais plus. Non, j'avais perdu. J'sais... On rappelle par contre, là c'est BO5, hein. Ouais. BO5, tout à fait. Une première vie de Xeto perdue avec un up B un peu J'avais court. perdu, bah je vois vraiment pas de quoi tu parles. J'ai pas du tout un set count de 0-4 contre toi. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que j'ai gagné durant une crew battle. Le reste, pas de problème. Je me rappelle juste d'avoir gagné dans une crew battle alors que les autres de mon équipe étaient en dépression nerveuse, de dire putain, j'ai pas envie d'affronter Gunner. Et j'y suis allé alors que je connaissais pas le match-up. J'ai gagné ce match, c'est tout. Les autres, je les ai perdus. J'avais gagné le match. Ouais. Il va ranger avec ce robot. Piquez, please! Il est allé bien trop loin, une stock où il avait 1% et demi, je crois. C'est quand même un peu dommage. Et ouais, ça aurait coûté la partie. Bah, Xeto était propre en vrai. Juste ce début s'était fait un peu manger, mais bon. Bah, X-Rider a fait un petit cafouillage sur la deuxième stock. Sinon, il avait le lead, c'est dommage. Pendant que Sadji est venu me faire la demande en privé, que je lui ai dit envoie-moi 30 euros sur PayPal et on discute. Malheureusement, je n'aurai pas de virement. Alors, par contre, vraiment, Sadji, il me dit ça en mode je suis un graphite. Alors, rajouter une case, tu m'en demandes beaucoup quand même, parce que je suis pas graphiste, moi. Moi, Je suis un menteur. En fait, c'est juste Kera qui a fait le graph. Et moi qui le réutilise. Mais je sais pas faire des graphes. Donc, si je fais un carré, ça sera un carré rouge et moche. C'est très bien, non? Un carré rouge et moche. Non, c'est vrai, le match Orcos. Mais on n'a pas déjà vu ce match. Non, on n'a pas déjà vu. C'est juste ce qu'il y a eu déjà ce match. Ça me Parce dit qu'il y quelque a chose, eu, mais... il y a eu Usher contre Xeto, mais on n'a pas vu ce match. Mais en tout cas, il est déjà arrivé ce match. Ouais. Oui, un carré rouge et vol, je sais si bien. Mais oh là là, les petits combos. Ça ressemble à quelqu'un qui a fait un pari en mode je te parie que je serai sur le graphe du prochain tournoi. Bon là ça devient compliqué là pour remonter. Vraiment pas tué, je pense que c'est juste le premier coup qui est puissant du coup. En tout cas, vraiment, hein, tu vois, quand je te disais Xeto, blablabla, top 1, eh ben il est énervé et il veut top 1. Pas de débat, il est pas là pour rigoler. Xeto, je te fais l'amour. Pourquoi? Je crois que c'est son edgeguard.
DP est grave chaud. Hein. Y'a plus d'encre, j'ai pas besoin. Les deux ne connaissent pas Sonic, hein. ça y'a pas de débat, si vous voulez débattre de ça. Au pire, viens BE3, si je gagne, tu le fais. Si t'es dispo. T'as de l'espoir là? Le tournoi. Ok. Oh! Vas-y, je vais proposer autre chose. Genre, après la winner finale, on fait un match d'exhibition. Moi contre Sagi. Et si il gagne ce BO3, il sera sur le graphe. De façon dégueulasse, mais il le sera. Je trouve ça honnête. Mais Riku, t'as 3 persos que tu joues bien, non? T'en as pas un, t'as Cloud, Palu et Rob, y'en a pas un qui est à l'aise un peu plus que les autres sur Bayo? Non, c'est vraiment un problème mental. Ah. J'entends. Exeto, Tone, alors. IBM là, oh. Bah, Palu et mon club sont approximatifs. Bah, ils sont en entraînement, peut-être, mais. C'est un match-up que j'aime pas entraîner en fait, Bayo. C'est pas des combats que je trouve très marrants. T'es mal à la taille du serpent. Combo là, c'est super intéressant. Il y a 2-0, ouais. On est en BO5 là. Ouais. AK 2-0 max. Donc Surion et Katsuki va bientôt se lancer. Est-ce que mon prochain set passe on stream? Tu veux qu'on fasse du loser bracket direct du coup après? Non, je t'ai dit un match d'exhibition, j'ai pété la gueule d'un monsieur qui va être sur le graphe. Oh! Et bah dans ce cas, Riku, on te voit plus tard. Voilà, Xeto, on va pas faire un 3-0. Ne t'avance pas trop vite. Non, ne t'avance pas trop vite. Des reverse 3-0, on en connaît. On en a vu beaucoup. Ah, j'ai pas mis la commande dans le titre en fait. Ceux qui veulent le bracket. Voilà. Oh, les petits moves.
Bon, ça... Ah, ah, j'ai cru qu'il était dedans. Ouh, le Bakka est très très proche quand même. Oui. Wow. Le shield, il est très très proche également. Et... remonter toute une stock encore après celle-là, bon ouais. Ouais, bon, c'est pas grave. Ça me semblait compliquax. Alors, AK a gagné contre Max et Chaos a gagné son match également contre Heroes League. Oh putain, c'est lent. Je baille également, mais c'est pas leur faute. Non, moi c'est de la faute de challenge. En tout cas, ils sont vraiment dans une optique, c'est vraiment full set map. Hein. Oui, rien à foutre. On joue. On joue, on n'a pas le temps. On s'amuse. Oula. Ouais. Oula, il a. Ils ont oula, il est à zéro. On ne comprend vraiment ça pas pourquoi il fait une 9-3 à chaque fois. Le top 8 est dessiné. Le top 8 est totalement fait. Oh là là. Oh là là. Et ça suffit. Oh bah... pas. Non. Dommage. On est sûr, on n'a pas vu de Zerstring. Bah, je crois que c'était une tentative ratée là. Ouais. C'est trop trop dur à faire. Ce qui rend le moment où Usher l'a fait tout à l'heure encore meilleur. Ouais, Shaw nous a régalé avec un petit combat. Moi, je comprends pas, il a une plate au-dessus, donc pourquoi il fait une F-Row ? Ouais, juste up-throw et faire des trucs avec la plate. Des habitudes. Une mauvaise habitude, peut-être. Ouais, mais enfin, ça rend pas d'intérêt, donc je comprends même pas l'idée initiale. La tempo. Et l'Abstro qui ne tuera pas malheureusement. C'était pas grand chose. Il est dans Melee X-Rider là. Ah excuse-moi, son personnage n'existait pas sur Melee. Ouais, mais les mouvements qu'il fait, ça n'existe pas dans Ultimate non plus, là. Pas faux. Ah, le Bouillac qui... Tu vois pas, pas du tout. Ah, ah. Voilà. Tu sais comment on sait que c'est pas hors course ? Ce qui n'est pas aussi beau. Il n'y a pas 50 tentatives de backer offstage par gros match. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que bon. Après, tu... Moi, je vois une autre différence avec Orkos. C'est qu'il est encore dans le tournoi. Ah.
On avait quand même 3 Lucas dans le tournoi. Zwrift serait fier. Oui. C'est close. Close. Oh, ça aurait pu être terrible si le backer passait. Backer donne air fin. Oh là là, mais... Oh, la phase. Alors. C'est dommage. Ça veut douiller dans tous les sens. Xeto. Et du coup, de partout, mais j'ai pas compris pourquoi elle se fait. Xeto. Tration, il a dit que t'es top 1. C'est pas la direction du top 1, ça. Ouais, ça s'appelle un reverse 3-0. Je veux bien que vous avez pas envie de voir un Sonic, mais quand même. Moi, ma question, c'est qui va affronter les Nio. Ah oui, bah, c'est vrai que le match de l'autre côté aussi, il est énervé. C'est quoi d'ailleurs? Je vais me le mettre juste pour voir où ça en est. Seed 1 contre Seed 3 en loser bracket. Ouais. Aucun problème. Oh là là. Oh là là, déjà 94%. Ça va très vite. Ah mais Riku il est pas en stream. Moi je me disais il était bien actif dans le chat pour être en stream en même temps. Ok ok. Ça semblait louche. Oh. Et bah Xeto qui a peur de se faire 3-0 et qui du coup va se faire... Enfin de se faire reverse 3-0. Ouais, il survit là, il est là pour survivre. Mais pas trop longtemps, la commentator curse, n'oublions pas qu'elle existe. Oh le backer. Oh, mais on dirait que c'est plus la même personne X-Rider là. Ouais, c'est... Adapté à mort, il est vraiment là pour du sang. Il s'est redressé dans sa chaise gaming, il a bu un coup d'eau et hop, c'est un homme nouveau. Après, il n'y a que 50% d'avance. 50%, surtout avec Inkling, ça va aller très vite, hein, c'est genre lit. 82, bon, ça c'est un peu plus quand même. C'est vrai que 82 c'est supérieur à 50. Un peu. Oh là, beaucoup de mal avec les fire. Beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et non, parce que beaucoup n'est plus dans le tournoi aussi. C'est terrible. Tellement d'évolution dans ce tournoi. Top 9, beaucoup. Exact. Perdu contre Riku et. Et je sais plus. Ensuite, je crois qu'on l'a vu ce match, donc c'était X-Rider ou. Alors, ouh, alors là par contre, ça c'était pas une bonne idée. D'absorber la bombe. Si justement, mais d'envoyer la bombe. Ah. Parce que là, ça met X-Rider dans une très bonne situation. Ouais, y a 100% d'écart. Oh là voilà, là. C'est... Oh bon bon bon. Oh là là. Ah, des nouveaux résultats. Alors, Redzu continue sa run et Riku la termine. Oh. Du coup, c'est Chaos qui continue. Mais je pense que ça va l'arranger, Riku, pour pas avoir à faire son match suivant.
Oh là là, et donc c'est un reverse. Oh, le reverse solide. Il s'est tellement adapté, je sais pas ce qui s'est passé, sinon peut-être que Xeto a